Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle qui vient de tomber. Nouvelle selon laquelle Netflix aurait annulé une série que produisait Meghan Markle. Donc, si vous vous souvenez, il y a quelques mois de cela, je vous ai parlé d'une série du nom de Pearl sur laquelle travaillait Meghan Markle. Et elle travaillait avec David Furnish, le mari d'Elton John. Donc, c'était une série animée qui aurait comme protagoniste principal une fille qui s'appelle Pearl, qui va revisiter toutes les périodes de l'histoire, toutes les femmes qui ont rempli un rôle important dans l'histoire, afin de raconter leur histoire à travers ses yeux, enfin à travers les yeux de la petite fille. À l'époque, la presse avait essayé de nous dire qu'en fait, il s'agissait d'une histoire inspirée de la vie de Meghan Markle et tout ça. Donc aujourd'hui, on vient d'apprendre que malheureusement, dans son remaniement, Netflix a annulé cette série, ce qui est vraiment dommage parce qu'elle n'a même pas eu le temps de naître qu'elle est déjà annulée. Je crois que c'est le magazine, je ne sais pas si c'est Radar Online qui le dit, ou alors un autre magazine sur le cinéma et les médias aux États-Unis qui l'a affirmé. Mais on n'a pas de confirmation de ce sexe. Donc on ne sait pas. Mais si c'est le cas, ils doivent être au courant depuis longtemps. Ça n'a pas empêché Daily Mail et d'autres tabloïds de mettre en grande page sur leur site internet: oh, Meghan Markle a été cancellée, sa série a été cancellée. En fait, c'est pas la fin du monde hein, si c'est cancellé, mais je suis sûre que vu qu'elle a travaillé dessus pendant longtemps, elle pourra forcément produire elle-même avec d'autres associés, en tout cas on l'espère, une autre chaîne qui sera intéressée par le projet. En tout cas, on l'espère. Mais c'est pas la fin du monde hein. Ce sont des choses qui arrivent, c'est comme ça dans le business du showbiz, vous êtes en train de travailler sur quelque chose et tout d'un coup, peut-être la production, la compagnie n'a plus d'argent à verser, du coup, ils vous cancellent. Donc voilà, il faut rappeler que dans ce cas d'annulation, de cancellation, comme ils disent, ben, la compagnie vous paie quand même des dédommagements pour le temps passé dessus. Donc du coup, c'est tout le bénéfice pour elle, c'est-à-dire qu'elle sera payée pour n'avoir pas donné de projet. Mais c'est quand même un peu embêtant parce que elle voulait montrer ce qu'elle savait faire. C'était une histoire qui lui tenait à cœur. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent, il faut avancer. Voilà, espérons que quelqu'un pourra, comme je le disais, reprendre le projet pour qu'on puisse le voir. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le lien que je vais mettre en premier commentaire ainsi qu'en description de la vidéo afin de faire le don de 2 euros ou plus ou alors m'acheter un café. Je remercie déjà, je crois, les 53 personnes qui ont donné sur cette chaîne et j'invite les autres à faire autant s'ils le peuvent. Merci encore pour votre aide, c'est grandement apprécié.